Bonne rentrée! J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. Je sais que c'est un petit peu déprimant. Personnellement, je déteste la rentrée. D'ailleurs, je les ai tout le temps ratés. Soit j'étais en Algérie, soit j'étais en vacances. Sinon, je tombe malade. La diarrhée la veille, ça c'est obligatoire. Enfin bref, let's go! Ça va ou quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai fait entre un sketch et une histoire. Enfin bref, de toute façon vous allez regarder. Vous me direz à la fin de la vidéo ce que vous en pensez. Moi si ça vous intéresse que je fasse aussi des histoires comme ça, des histoires scénarisées. Donc voilà. En attendant, grosse dédicace à Mehdi et Adam Blam de Saint-Dié des Vosges, à Tahamir de Rabat, Tara Fatima et Kaoutar Koussa d'Alger, Mehdi Mekawi de Saint-Priest et pour finir, Salma Armili de Montréal. Merci la famille, merci beaucoup en tout cas de me suivre. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, j'espère que cette année vous allez cartonner. Putain, j'avais même pas fait tilt qu'il y avait écrit études sur mon t-shirt. Déprimant. Je vous laisse avec la vidéo. Bon, vas-y maman. Attends, tu vas où là? C'est la rentrée scolaire, pourquoi t'as une valise? Non, mais ça c'est rien, c'est juste des affaires que je vais donner à quelqu'un. Genre un SDF ou quoi? Tu vas donner à des gens dans la rue? Ah oui, ouais, c'est ça. Oui. Mais vas-y, bonne rentrée. Ouais, bah ouais, bah merci, hein. Bah bonne rentrée à toi aussi, même si tu fais rien de ta vie. Ferme ta gueule, je vais te boxer. Oui, moi j'ai pas de rentrée. Je crois me renvoyer, oui, c'est quoi? Oui, allez, ciao. Vraiment. Aucun respect pour les anciens. Je me casse. Moi, rentrée des classes, même des R. Allez, ciao. Pourquoi il a pris une valise? J'ai des doutes. Ah, elle louche. Pourquoi il prend une valise pour la rentrée? Il va donner, ce crevard, il dort, il donne rien du tout. Comment ça, il part comme ça avec une valise? Bon bah c'est parti. À moi l'aventure. Bon bah bonne rentrée à tous, pendant que vous allez rentrer, moi je vais aller à la plage. Merci bien. Franchement je croyais pas que t'allais arriver à la rentrée. Les gens ils vont à l'école, ils vont à la rentrée et nous on va à Marseille. Aucun respect. Toi tu reprends le travail très bientôt en plus. Oui, il a pas marqué ça. Elle reprend le travail la semaine prochaine. Elle arrive à Paris lundi, elle reprend mardi. Nous on va se faire défoncer. C'est pas grave, ça va nous changer les idées. Direction Marseille, direction Covid. Covid Land. Ouais. Les câlins que du Covid. Voilà, Marseille, il y a grave le Covid. J'espère qu'on va pas attraper le Covid. Hein. Franchement, ma mère, elle voulait pas me laisser partir. Elle m'a dit, tu roules comme ça avec ta valise. J'ai dit, je vais donner un SDF. Ça passe, non? T'as dit quoi à ta mère? Ah non, c'est vrai, t'as pas de parents. Et toi? Elle pense que je dois prendre le travail le 15 septembre. Bon, bah ça va. Franchement, je vous conseille pas de faire ça, ça vaut risques et périls. Moi, un jour, mon frère a fait ça, mais je le wet. On est arrivé à Marseille avec la clique. On va s'amuser, la plage, tout ça, quoi. Bon, bah, c'est parti. Go vive les aventures de plus belle la vie. On peut enlever les masques de merde. Voilà. Non, je crois ici, il faut garder. Hein. Regardez, j'ai pris quoi pour mon pote? Pour Abdel? Le corn. Le corn. Vous connaissez le corn? C'est une nouvelle recette chez Starbucks. Ça m'a plu. Hein? Tu m'as appelé con, là c'est trop sur nous. Non, c'est une nouvelle recette. C'est bon? Ouais, t'as bien fait ton taf. Bon, c'est bon, là on a récupéré notre voiture. Que les vacances commencent! Les gens ils vont à l'école et nous on gambade. Faites pas de story, faites pas de snap comme ça, personne crame qu'on est là. Ok? Ouais, c'est clair. Reste discret. On n'a pas d'ascenseur, regardez. Là du coup, elle monte les escaliers, là sa valise de la pauvre. Attends, je viens, je vais t'aider. Toi, tu t'en fous vraiment pas une. Quelle galanterie! Je meurs. Leave me your bag. Merci. C'est là que je le jette par la... Par le... T'es ma wesh. Elle est au bout de sa live. Je vous avais dit de prendre un Airbnb au rez-de-chaussée avec ascenseur. Non, il est bien celui-là, il est pas cher. Ah oui, il est pas cher. La tour Montparnasse. Wow. Quel appartement cosy sympa. Bon, moi je me suis déjà installé. Ma petite brochon. C'est mon fumeur. C'est sympa ici. C'est bien, elle a vraiment une tête avec des caméras en fait. Ouais, non mais elle a mis des pancartes partout. Fumeur non, fumé non, des pancartes de règlement intérieur. Qu'est-ce qu'elle force? Sûr, elle a mis des caméras chez elle. Tu penses caméra carrément? Non. C'est trop. Ouais, elle est vraiment matrixée pour envoyer que des comment mails. Comment tu peux savoir? Parisien vs Marseille, c'est parti. Là on est parti à la plage pour notre première journée. C'est génial. Les gens ils sont à l'école, nous on est en vacances. On est mort.
je vais reculer en fait, j'attends juste que ça se vide. Non, estame Augusta, viene cool. 20 minutes esperando. Attends, vite fait frérot. Ne calcule pas en fait, voilà, vas-y, avance. Allez, on calcule pas. Parle même pas français. Ah, c'est bon. Non, mais c'est bon, t'es d'accord avec moi? Ah, c'est bon. Ils ont fait pipi sur notre voiture parce qu'on était garé. Mais on était garé à une place, normal. Ils ont fait pipi sur toute la voiture. C'est du pipi, on pensait que c'était du café, mais c'est du pipi, on a senti. Ça pue de ouf. Ah, mais ça pue de ouf. Oh, il y a de la pisse partout. Ils ont pissé sur la voiture partout. Ah, ça pue sa mère, gros. Voilà, gros, j'ai trop le seum. Attends, ça pue. Quelle heure tu fais ça? Tu te dis, je vais faire ça. C'est Dieu, il m'a puni, c'est sûr. Parce que je suis parti en cachette. Trop bien, là, on est calé, hein. Qu'est-ce que t'en penses? On est calé là, non? Ouais, super. Franchement, on est calé. Et on va dans le sud. Comme ça, les frérots là. Franchement, j'aurais même dû rester chez ma mère. Venir les vacances avec vous, c'est Kex. T'as dit quoi? On nous pisse sur la voiture. Je sais pas, c'est qui le chalois entre nous trois? Je pense que c'est toi. Ah non, je crois ça pas. Ça a toujours été toi. T'as toujours eu des galères dans je tes ne vacances. Crois pas. Tu je ne crois pas. Toujours ce n'est eu des galères. Ce n'est pas pour moi. Je n'attire pas les pisseux. Je me demande qui attire les pisseux entre nous trois. I think it's you. Le Sinjoul, on va te laisser sur le bord de l'autoroute. Comment ça tu connais pas Sinjoul? Ah, je vais la ouette. Garde-toi, je vais la descendre. Descends. C'est quoi cette voix? Ouais, là c'est bon. Là on est bien. Ouais, du coup on va enlever toute la pisse là qu'il y a sur la voiture, on l'a emmené au lavage. Niveau pisse, ils se sont lâchés. Sur le toit, sur les portes. Sur le toit, jusqu'à sur le toit. Vraiment, ils sont dégueulasses. J'ai peur. Voilà, ça m'a fait peur. Là elle est toute propre, on a lavé la voiture. Pourvu qu'il y ait personne d'autre qui vienne pisser dessus. Ce soir on sort. Donc on s'est préparé. Je crois que c'est nous. Bon bah c'est bon, on est parti. Hein. Hey, franchement j'étais en train de passer le best séjour de ma life. C'était trop bien. Là on s'apprêtait à sortir. Enfin bref, soirée normale quoi. Premier jour. Bad girl, Riri n'a qu'à bien se tenir. Laissez la star sortir. Heureusement que tu sors que du Clio 4. Qu'est-ce que ça aurait été si tu sortais d'une Mercedes? Après, c'est la décombe. Ce soir, on va manger italien. Ça s'appelle la salle à manger. J'attends deux potes à moi, les Marseillais. Et voilà. Ça a l'air pas mal tout ça. Bon, quand même. Qu'est-ce que tu manges, le coup? Vas-y, respect, pour là. Tu manges quoi? Je peine des mouilles. Bien sûr, je vais venir sur YouTube. Ouais, ça va sur YouTube. Salut! C'est ça, coucou? C'est mes amis marseillais. T'as un mot à dire? Oh gros chameau! C'est ça, Nino là! On avait rendez-vous à 21h. Ils sont arrivés à 21h45. Toujours en retard en Marseille. Je suis choqué! Sortez avec le tagine! Sortez avec la charba! Il a dit j'ai pris une charba, mais c'est pas une charba, c'est des pâtes à l'arabiata. Oh doucement, le couze! C'est la harira, c'est la morokhia, ou là! Petite verte! Allo! Ouais, t'es à rue Bourgeon? Oui, c'est quelle porte? T'es au 5? Oui, je suis rue Bourgeon. Ok. Willou, hey, tu me reçois? Ouais, il y a un interphone, c'est quel interphone? Ah non, mais je connais pas l'interphone. Pousse la porte, wesh! C'est bon, j'ai ouvert. C'est bon. Mais y a pas d'ascenseur, hein. Faut que tu montes les escaliers. C'est ouf lui. Il part en vacances alors que moi je pars en vacances. Viens balance. Ah il est mort. Il nous fait descendre jusqu'à Marseille en plein jouant de ses images. Il est fâché. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est qui TikTok là? Réveille-toi. Dévoile-toi, c'est qui TikTok? Vite, putain, c'est quoi ce délire là? On peut pas dormir tranquille dans ce bed. Ah ouais, Marseille c'est vraiment la jungle, l'Algérie. Ouais c'est bon, on arrive. Putain. Oui. C'est bon,
c'est bon. Oh, je suis choquée, qu'est-ce que tu fais là? Il est où mon fils? Je sais pas, j'ai pas fait le ménage. C'est qui elle? Pourquoi elle filme une fille en plus dans un appartement? Je suis choquée. Passe-moi cette caméra, qu'est-ce qu'elle fait? Il est où mon fils? Sors d'ici. Qui t'a ramené ici? Ça va, voilà, ça va, je vais te boxer tes mains. Vas-y, sors ma jambe, attends, je vais choquer. Qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'ils font? C'est la rentrée des classes, je te rappelle. Moi, je suis pas encore en classe. Déscolarisé, boréco, mon fils, ça s'appelle Kulwey. Ce chien. Imagine un jour ça vous arrive, vous êtes en vacances, vos parents ils débarquent. Non, mais c'est un truc de ouf en fait. Ils sont venus, ils ont pris un appartement ici, tranquille. Et nous, ils nous laissent pourrir. Dégage de là, reste pas à côté de moi. Il est partout. À Paris, à Marseille, en Algérie, partout. Attends, tu vas voir quand on rentre. Il entre là, son peignoir. Qu'est-ce qu'elle fout avec vous, elle? Mais y'a pas qui est comme ça de bon matin en fait, je comprends pas. De bon matin, elle arrive, déjà, elle toque. Ensuite, elle arrive et elle me crie dessus aussi, je ne comprends pas. Enfin, bonjour. Ils partent en vacances tranquille alors que c'est la rentrée, hein. Et nous, on reste pour y réparer. Ben, je vais rester avec nous. Tu restes pas avec nous, c'est moi. Non, tu restes pas avec nous. Je peux même pas passer des vacances tranquille. Obligé, elles viennent jusqu'ici aussi. Vas-y, joue. Bah c'est toi, joue. Toi, tu vois bien que je suis en train de jouer. Allez, vas-y, plus deux, pioche. Allez, hop, tu joues pas. Allez, tu joues pas. T'es sérieux? Allez, hop, vas-y, joue. Eh, c'est pas jouer. Je suis tout seul, frère. J'ai 10 ans pour réfléchir. Mais joue, frère. Non, bah non, c'est ça. C'est qui toque là? Va ouvrir. Oh non, je sais pas c'est qui encore. Ça peut pas être ma mère elle est là. Il manquerait plus que ce soit mon père. Bonjour. Ouais, salam alaikum, ça va pas la tête? Le bruit, cra. C'est pas de bruit en gros. Oui, j'ai entendu la musique. Ça apparemment, tu es même pas. J'ai entendu. Ici, on est à Marseille, hein. Tu fais pas le hala. C'est qui crie là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème? Oui, depuis tout à l'heure, il y a le bruit et tout. Moi, je vais dormir. Y'a pas de bruit, c'était pas content, tu dégages. Il est folle, hein. Tu dégages pas, c'est chez moi. Je la boxe, toi, tu es pas chez toi. Malade. Je suis algérienne là-bas. T'es algérienne? Moi aussi, je suis algérienne. Algérienne? Oui, je suis algérienne. De où? Waram. Ouh, c'est à côté de chez moi. C'est la best club, c'est? Oh, viens, ma soeur, viens, ma soeur. Viens voir la carpe. Oui, bien sûr. Vas-y, rentre bien. C'est belle, hein. Chez toi, ouais. T'as vu, c'est bien, hein. C'est réagi, c'est chez moi. Ouais. C'est la louée. D'accord. Tu veux voir quelque chose? Abdel, ramène la bouteille d'eau. Oui, vas-y, merci. Merci, c'est serveur. Il est beau, le serveur. C'est Marseille, Lazare, hein. Oui, je suis Marseille. Ah oui, c'est chez moi. Magnifique, faut qu'on aille à la plage. Donc tu vas voir, on va se régaler. On va aller à la piscine, j'ai une piscine, tu vas voir. C'est chez moi ici. Ah oui. On va aller au marché aussi, nous. On va acheter le chocolat au vin. Tu vas voir, tu vas faire comme chez toi. Allez, vas-y, je te fais confiance. Pas maintenant. Allez, vas-y. Parce qu'en plus, il part faire les courses. Mais elle est sérieuse là ou quoi? Elle la connaît même pas. Une porte de plage, de piscine. Nous, on est là. Le top Marseille, regarde le prix. 3 euros, une tablette. Eh oui, regarde. Supplément 50 centimes. Aoudi Arouahi. Il y a tous les légumes que tu veux, vraiment. Il y a tout. Et en plus, le prix, vraiment, moi, je le donne. Ouais, vraiment. Les oranges, Ça, 50 centimes. Ça, j'aime pas. Bah, tu te fous de ma gueule, ça, j'aime pas. Ouais, non, c'est vrai. Non, elle est pas porée comme ça, comme tipi, j'aime pas. Non, mais c'est vrai. Les roublards, j'aime bien. Voilà, les roublards étaient rouges comme la pomme de Blanche-Neige. Eh, vas-y, je vais te chercher. Va chercher un sac, je prends un Kim. Tu vois celle-là, Fatima, elle est divorcée depuis 3 mois. Ah bon, je l'ai vue avec un mec hier. Et voilà, tu vois, elle n'attend pas, Hedik. Tac, tac, tac. Ou Hedik, Haria. Oh là là, méfie-toi d'elle. Si tu la vois dans la rue, goul haselem de loin. Elle se lave pas. Feya. Il fait beau aujourd'hui, hein. Voici vraiment dingue, la piscine de votre papa. Tu es la bienvenue, ma chérie. Merci. Santé. Merci, santé à toi aussi. Bon bah retour à la réalité. Bonne rentrée l'équipe.
Et voilà la mif, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez kiffé ce type de scénario, si vous voulez plus de vidéos de ce style là, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, franchement, venons t'appeler 60 000 likes, non 60 000, wesh, je vois là, ça dépasse pas les 40. Faites les crevards là, wesh. Wesh l'équipe, montrez-moi que vous êtes là, je sais pas moi. C'est bon là, on va revenir. Mardi prochain aussi une nouvelle vidéo. Là on va reprendre du service. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, je compte sur vous. Petit à petit on arrive aux 2 millions. Je sais pas ce que je vais faire pour les 2 millions, mais si vous avez des idées, dites-moi aussi en commentaire. Et franchement j'ai envie de faire un truc vraiment atypique. Un truc que je pourrais limite partager avec vous. Donc dites-moi en commentaire. Et puis je vous kiffe, bonne rentrée, kiffez bien et on se tient au jeu l'équipe. Ciao.